Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media Now là, depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Direction générale impôt DGI collecté 29,3 milliards gouttes. Jusqu'à présent, sous 44 milliards été prévoit pour exercice fiscal 2019-2020. Directeur général DGIA, Miradem Molin, explique que c'est une véritable performance pour l'institution dans la période coronavirus là. Il indiquait plus loin 56 milliards gouttes, c'était recette qui était prévoit collecter pour année fiscale là. C'est information ça nous porter pour si c'est première fois visiter nous information nous partager ou intéressé ou pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification hein. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là et bien nous pas perdre du temps n'a commencé cool yeah. Mais un pays aujourd'hui qui peut dire que il est capable d'atteindre prévision de recettes qu'il dégaine pour l'exercice fiscal 2019 à 2020. Tout pays sous la terre aujourd'hui a un problème coronavirus là. Nous même en Haïti nous gagne un petit problème pas nous déjà et que nous fait face à aussi des problèmes en tant que ce passé là dans début exercice fiscal là, tout le monde te connaît, tout le mois d'octobre, mois de novembre était très difficile pour nos pays, nous était nous pas capable de travailler. Mais nous avons toujours gagné en prévision, nous travaillons sur les jusqu'à présent. Nous encore, je ne vais pas dire que nous n'avons pas atteint de prévision parce que nous ne pouvons pas prétendre que nous n'avons pas atteint de prévision de recettes. Mais cependant, nous avons dit que nous avons des résultats vraiment satisfaisants. Mais côté ma parabola, je ne vais pas dire vraiment les résultats vraiment alléchants. Même quand je dis que côté ma parabola, provisoirement, d'accord, pour l'exercice fiscal. Alors pour les 9 et derniers mois de l'exercice fiscal, nous connaissons le mois d'octobre, pas de travail, mois de novembre, pas de travail, nous commençons ça, c'est fin novembre, de décembre, et jusqu'à présent, nous collectons déjà là plus de 29,3 milliards de gourdes, donc sous une prévision de 44 milliards. Donc, nous sommes capables de dire que si pas bien tout paquet de problèmes, la question de 44 milliards, c'est de la glité pour nous, parce que prévision de recettes que nous avons, si pas de problème du tout pour l'exercice fiscal 2019-2020, nous devons que nous devons dans 56 milliards, nous devons collecter 56 milliards d'euros. J'ai reçu la correspondance du ministère de l'économie et des finances qui est censé bailler notre prolongation. Et nous sommes capables de dire que l'état d'urgence, c'était jusqu'au 20 juillet, d'accord, d'après on connaît, tout le monde connaît que tu as une question d'état d'urgence qui vient dans le pays et suite à problème pandémie, ça, le gouvernement a déclaré jusqu'au 20 juillet, nous-mêmes, bon côté de Panou, le ministère a décidé de bailler l'autre prolongation jusqu'au 31 juillet. Prolongation pas dit pour autant pour faire négligence pour au contraire, le bas en prolongation, il faut profiter de prolongation au bas, d'accord, pour venir payer taxes sans taxes à impôt, sans pénalité, sans amende, d'accord, et pour pas toujours pas bailler. Parce que imaginez si nous prolonger et question de moratoire jusqu'au 31 juillet, je dis en 32 juillet, donc chaque jour qui passe, il sera un jour bien pour profiter ou pas profiter, ou quitter 31 juillet à passer, et bien là, ça, on va le payer toute amende, toute pénalité qui est au débat, c'est le même genre. C'est même genre avec toute taxe et impôt gain, parce que tout gain en délai, tout gain en date d'échéance. Donc, maintenant, on a une date d'exigibilité. Par exemple, la déclaration définitive d'impôt, si vous prenez un exemple, ou bien impôt locatif, la déclaration définitive d'impôt sur le revenu est due et payable du 1er octobre au 31 janvier de chaque année. Sauf qu'il est le 1er février, il est sur, donc pas de prolongation. Donc, au début du 1er février, il doit payer avec intérêt que la loi prévoit pour appliquer ce droit. Le gouvernement prend une décision pour les fiscaliser tête des véhicules. Il prend un décret pour ça. D'accord, pour fiscaliser tête des véhicules. Donc, on connaît que le paquet de mise en place qui vous faites. Mise en place que vous faites, nous travaillons sur eux, nous faisons plusieurs réunions et il y a avancées qui fait sur. Donc nous avançons et que d'ici à la semaine prochaine, nous avons commencé à mettre en application et que il y a un monde qui a fait teinte véhicule aujourd'hui, un hein? Monde qui vient teinte véhicule aujourd'hui, il faut connaître que teinte véhicule dans l'exercice fiscal 2019-2020 qui commence du 1er octobre 2019.
qui a fini le 30 septembre 2020. Donc, on a, à partir du 1er octobre de cette année, d'accord, et 1er octobre à Nisa, la rentrée dans l'exercice fiscal 2020-2021. Qui a commencé le 1er octobre, qui va prendre fin le 30 septembre 2021. C'est-à-dire, nous avons gagné pour venir payer. Alors, pour venir payer plein de véhicules. C'est-à-dire, même sous un véhicule qui teintait déjà, ou supposé, automatiquement, nous prenons la, d'ici la semaine prochaine, ou supposé venir payer 10 000 gouttes là. Nous allons dire dans la presse comment nous allons aller dans un centre, là, le payer tel de véhicules là, et bien, qui gens l'a fait. Qui ça a baou? D'accord, pour gagner un amont comme pièce justificative pour payer tête de véhicule. C'est-à-dire, la police parle bien, ou elle parle pour jouer, d'accord, automatiquement, nous avons gagné un véhicule qu'on teinte ou pas payer pour ça, ou pas gagné une preuve ou qu'on montre qu'on paye pour lui, et bien qu'on a la police même pas de jouer, parle parce que nous-mêmes, nous avons une limite, nous, et la police, depuis nous commençons une opération, l'elle prend fin qu'on a, si c'est où la police. Pour jouer, la jolie, la brité ou normalement la bado prouvé que ou payer teinte pour véhicule pour faire 26 mai 2006 là qui baille office assurance véhicule contière direction générale impôt à direction centrale police routière pouvoir autorité pour exiger tout propriétaire chauffeur tout véhicule mettez en règle avec la loi tant qu'on fait assurance plaque immatriculation ak licence. Non souci pour sécurité blayi tout côté dans pays ya, pour population vaqué à occupation sans inquiétude. Chef l'État, son excellence Jovenel Moïse, il passait instruction à ce que pour ORVCT avec DGI prend toute disposition pour tout véhicule qui a circulé sur tout territoire, il a régularisé. Ça veut dire qu'il faut qu'il a enregistré, il faut qu'il a gagné assurance qui est valide et il faut qu'il a gagné plaque d'immatriculation délivrée par la DGI. Dans le souci pour protéger la population. C'est notre objectif ça, nous présents dans la ville Saint-Marc jeudi, jeudi, mardi, qui se traite, juin, nous présents en compagnie de toute autorité que nous avons. Représentants syndicats, propriétaires, à chauffeur moto dans Saint-Marc exprimer satisfaction yo pour initiative ça yo dit qu'a fait population faire chauffeur moto yo plus confiance et puis mettre l'ordre dans secteur ça chauffeur taxi lui vivre de motocyclette là et en pile famille vivre de lui en pile monde prend au libre dit chauffeur taxi a pas problème c'est pas chauffeur taxi qui a problème parce que motocyclette là l'ici en plus que son système qui vaste tout monde entre là-dedans yo utiliser dans nos chauffeurs taxi pour faire toute qualité des autres c'est vraiment qu'on a des chauffeurs qui entre dans le système qui a fait des autres même qu'à dire je dis à quantité de monde qui n'a la vie à son motocyclette tout pas chauffeur taxi chaque monde a utilisé taxi pour faire affaire pâle si l'état a besoin de sel je dis bravo je suis content initiative que nous prenons jeudi. Des dispositions qui commencent à prendre pour lancer avant longtemps le programme OABCT La Caillou qui s'est enregistré à légaliser véhicules. Représentant OAVCT, DGI et PNH dit qu'il y a tant de direction générale OAVCT pour commencer à faire propriétaire et chauffeur véhicule marcher selon le décret 2006. Là. Véritable rôle la police, il a pour faire respecter. Nous connaissons la question. Hein? Acteurs, c'est nous avons OAVCT, nous avons DGI et la police lui-même, il est là pour le travail en étroite collaboration avec nous pour nous faire respecter ce qui nous est respecté. Dans le décret 2006, il dit toute contravention, toute infraction à la circulation, dit donc il y a une contravention et l'on parle de contravention. La loi fait juge de paix comme monde qui a habilité à trancher contravention ça. Ça vient faire juge de paix
avec la police, c'est-à-dire ces deux instances qui sont toujours présents à chaque lègue, il y a une infraction qui a un rapport à la circulation. Syndicat, propriétaire et chauffeur moto Saint-Marc, encourager autorité yo joignent une entente avec maison qui vend machine avec la douane. Il y a une façon pour enregistrer mac légalisation moto yo capable fait avant même yo prend la rue ou AVCT la caillou. C'est une unité mobile institution en mettre campé pour renforcer capacité de travail bureau ville provinciaux. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable d'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.